Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super Hakan. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur et vous allez mélanger ce jeu là. Donc c'est très important de mélanger toutes les cartes devant le spectateur avant de commencer la routine. Et vous allez continuer et vous allez le mélanger pardon, une seconde fois. Ok? Voilà, et vous le posez ici. Et on va se servir d'un autre jeu ici, à deux rouges, de 52 cartes et de deux jokers. Donc vous faites choisir une carte, il vous dit stop ici. Vous lui donnez la carte, vous la montrez. Donc il a choisi le 10 de cœur. Donc la carte, on va la poser ici, sur le tas ici. Maintenant, on va se servir des deux jokers. On va perdre les deux jokers dans le jeu. Donc on va prendre le premier joker et on va l'insérer au milieu du jeu, comme ceci. Et on va prendre l'autre joker et on va le mettre sur le jeu. Donc ensuite, je vais couper à nouveau, comme ceci. Et donc là, je vais couper le jeu en deux. Et vous allez demander à votre spectateur de faire un riffle shuffle. Ou si c'est pas faire de riffle, il fait une rosace. Et vous allez lui demander de retourner un des deux tas face visible. Donc imaginons, il choisit celui-ci. Donc vous le retournez face visible et vous lui demandez pardon, de mélanger les deux tas ensemble. Donc il va faire un riffle shuffle. Voilà, il égalise, donc il fait le mélange lui-même. Vous reprenez le tas et vous allez lui dire qu'on va regarder le nombre de cartes qu'il y a entre les deux jokers. Donc il va y avoir des cartes face cachée et des cartes face visible. Et on va sélectionner toutes les cartes qui sont face cachée. Donc on ne sait pas combien il y en a, donc on va voir ensemble. Donc on attend de voir le premier joker qui est ici et on va prendre les cartes face cachée. Donc il y en a une ici, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres cartes qui sont face cachée entre les deux jokers. Ces cartes-là, on les met de côté. Donc, on est tombé sur ces cartes-là par hasard. C'est le spectateur qui a mélangé lui-même. Donc, on a un 5. On a un 6 de trèfle, un as de cœur, un 8 de trèfle et un 2 de carreau. Donc, nous avons 5 cartes. Vous demandez au spectateur de faire le total de ces cartes. Donc, 8 et 2, 10 et 1, 11. Et 5, 16 et 6, 22. Donc, on tombe sur un total de 22. Le spectateur avait choisi le 10 de cœur au départ. Rappelez-vous, j'ai mélangé le jeu deux fois juste avant. Ce qui serait incroyable, c'est que le 10 de cœur soit en 22e position ici. Vous donnez le jeu au spectateur pour qu'il n'y ait aucune manipulation de la part du magicien. Et c'est lui-même qui va compter les cartes, face visible ou face cachée, comme il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est bien sur le 10 de cœur, exactement la carte choisie par le spectateur. Bien évidemment, il n'y a pas d'autres 10 de cœur. Tout peut être examiné. Il y a 52 cartes différentes. Voilà. Pour ce super Hakan, j'espère que vous avez aimé. Donc, on va attendre. Allez, 100 likes, je vais pas dire 150, je suis gentil, je pourrais, hein. Mais allez, on va faire 100 likes si vous voulez avoir l'explication de ce super Hakan que je trouve vraiment excellent. Voilà, donc on se retrouve à 100 likes pour l'explication. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas en tous les cas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt, merci.